que la sexualité? Bébé. Ben, c'est quand tu fais l'amour avec quelqu'un que t'aimes et que tu te protèges pas, ben, t'as une petite surprise qui arrive. On n'est pas obligé de s'aimer pour avoir des relations, ou vous pouvez le faire à plusieurs ou à deux personnes ou à une seule fois. C'est pas besoin de rentrer dans les détails. Deux personnes qui s'aiment. Ou même qui s'aiment pas. Ouais. Bah, par exemple, tu vas sur le continent, tu roules, tu vois des filles sur le trottoir, tu crois quelqu'un voit. Ça peut être plusieurs personnes. Ouais. Comment on appelle le SX des filles et des garçons? Un vagin. Des lèvres. C'est un truc poli. Pas obligé. Ah ouais, ça c'est pite. Pénis. J'allais le dire. C'est pas la vidéo. La vulve, ça ne dit rien. D'accord. La vulve. Non ? J'ai déjà entendu ce mot. Alors, on a la vulve et le pénis. Et quel est l'organe qui provoque du plaisir chez la fille ? Clitoris. Oui ? Je veux plus fort. Non. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes ? Ben, en gros, c'est juste que l'homme, jusqu'à 90 ans, il peut toujours faire des enfants. C'est toute sa vie, l'homme, il peut faire des enfants quand il veut, et que la femme, à un certain âge, à partir de 50 ans ou plus, elle n'a plus ses règles et elle ne peut plus faire d'enfants. Et l'homme, il ne peut pas faire d'enfants parce qu'il n'a pas de structure. Il peut faire des enfants. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il ne peut pas porter l'enfant. Il y a des garçons qui. Oui, mais si ça. Oui, mais si ils font opérer. Mais comment vous êtes possible d'aimer les gens même comment? Ça, tu choisis pas. Ben, comment c'est possible qu'on peut aimer une personne du même sexe que nous? Ben, c'est exactement comme toi. Genre, toi, t'aimes les hommes. Ça pose la question pourquoi t'aimes les hommes. Et ça pose la question pourquoi. Avec les hommes, je peux faire des enfants. Que veut dire LGBTQIA+ ? LGBT, c'est lesbienne, G pour gay, LGBT pour bi, T c'est trans. Voilà. Et plus, je sais quoi. Quand une femme veut devenir un garçon. Oui, elle est un garçon. Et un garçon qui veut devenir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux le partager et écouter les autres. À la semaine prochaine.